tous, c'est Jacky Vont. Je suis très heureux aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après ce court trailer que vous venez de voir qui représente donc, pour ceux qui l'auront compris, l'ouverture de mon serveur Arma 3. C'est, je pense, la plus grosse annonce que je fais sur ma chaîne YouTube depuis le début de ma chaîne. Je suis donc très heureux de, pardon, oula, tu m'enlèves la caméra. Très heureux donc de vous retrouver aujourd'hui pour faire cette présentation. Donc, le serveur tout simplement donc s'appelle Omega Life, c'est mon serveur, je suis fondateur avec monsieur Daxons Makers et toute une équipe de staff, on a à peu près 20 personnes dans le staff pour vous donner l'ordre d'idée. Le serveur ouvre, j'annonce, vendredi à 18h. Donc soyez au rendez-vous, les mods seront en pré-téléchargement dès demain soir normalement, en public. Le lien du téléchargement sera lancé sur le forum ainsi que sur notre Discord. Toutes les infos pour nous rejoindre sont évidemment en description, ça vous en doutez. J'espère que le trailer vous a plu. Moi je vous parle rapidement donc des différentes choses que j'ai pas pu dire dans le trailer parce que bon, c'est un trailer et que je voulais dire à l'oral. Déjà donc au niveau de la gendarmerie, là vous avez en visuel certains véhicules qu'on a et certains skins qu'on a. On a une gendarmerie qui se veut à la fois proche de la réalité, mais à la fois dans son organisation, on va dire, et à la fois adapté au gameplay life, dans ses véhicules, dans ses tenues. J'ai par exemple ici, mais bon là c'est un mod pack au niveau de la tenue qui est donc disponible sur le workshop. Cependant, on a donc, comme vous le constatez, un petit gilet exclusif à notre serveur fait par nos skinners. Un petit béret qui est, je trouve, vachement beau, gendarmerie nationale, donc fait également exclusif à notre serveur. Tout ce genre de choses. Les skins que vous voyez ici sont globalement exclusifs au serveur, même si je sais que c'est... Alors, il y a pas les skins qu'ils utilisent, en tout cas certains d'entre eux, comme par exemple l'hélicoptère ou le PCM, parce que je leur avais passé... quand j'y étais, et globalement la plupart des autres skins que vous voyez là sont exclusifs au serveur, donc c'est des unités qui sont présentes au serveur. Donc là par exemple aussi vous avez un Mercedes CML63 fait par Luc, donc en version GIGN, les véhicules Charlie évidemment, vos modes favoris, on a voulu reprendre évidemment les modes qui sont que la communauté aime le plus, les modes Luc que vous voyez ici, la petite Audi RS3 OCRT, donc c'est l'une des spé de la gendarmerie qui est donc l'office central de répression des trafics qui sera donc chargé de faire des contrôles, de fouiller tous les véhicules. Donc il y aura le droit de faire des fouilles, c'est un peu une sorte de douane, comme il y avait à l'époque quand j'étais sur Terran for Life. Ici donc notre poste de commandement mobile, et ici un hélicoptère donc des forces aériennes de la gendarmerie. C'est l'une des nombreuses spé, il y en a plein d'autres, on a par exemple les unités EDSR, donc qui seront chargées, donc le EDSR qui aura un vrai rôle, qui sera organisé avec au sein de lui-même une unité moto et une unité voiture. Donc le RI, elles auront donc des voitures rapides, des motos rapides, le DSR, ils auront des vrais spéciaux, également une spé spéciale qui s'appellera le PSR, je vous ferai des vidéos là-dessus spéciales à chaque fois, pour vous présenter, donc il y a une vraie gendarmerie qui est vraiment organisée. Vous retrouverez dans cette gendarmerie la plupart de vos youtubeurs favoris, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que enfin, très rapidement, YouTube risque d'être bombardé de vidéos, enfin, le YouTube Game risque d'être bombardé de vidéos sur le serveur, puisqu'il y a pas mal de youtubeurs qui vont venir chez nous, parce que c'est des amis à moi ou autres. Donc il y a moi, il y a Shadow01 que vous connaissez, puisque c'est l'un de mes amis. Qui j'ai déjà fait des vidéos sur Paradise. On a monsieur Deathtracker, donc Thomas McFly qui jouait sur Paradise avec moi, qui risque de venir également ici en tant que gendarmerie. Il va être membre de la gendarmerie avec nous. Marco Rafale, que vous connaissez quand j'étais encore sur TFL. Severance You, Daxons Makers, notre fondateur, qui lui fera des vidéos en rebelle. Donc voilà, donc il y a de nombreuses vidéos YouTube qui vont arriver pour votre plaisir, histoire que vous puissiez avoir un vrai visuel. Donc voilà, je ne vais pas faire une introduction trop longue, je vous ferai des vidéos spéciales sur chaque partie. Donc maintenant, je vous passe à la partie pompier. Je reprends donc pour la partie sur les sapeurs-pompiers. Donc au niveau des sapeurs-pompiers, nous possédons donc un vrai service d'incendie et de secours donc compétent avec de nombreux véhicules. On a des véhicules, donc les véhicules Charlie qui évidemment constituent la majorité de l'équipement de la caserne, parce que c'est bah, clairement les meilleurs véhicules qu'il y a qui peuvent exister à l'heure actuelle sur le marché Arma 3 au niveau des sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers proposent de nombreuses spécialités avec des formations complètes. Je ferai apparaître une vidéo qui est spécialisée là-dedans. On a les derniers, donc comme vous le constatez, les derniers véhicules Charlie qui sont à jour, avec donc notamment ce magnifique Peugeot J9. Alors, je vous rassure, les pompiers viendront peu souvent vous chercher avec ça, hein. Il y a quand même des véhicules un peu plus neufs dans la flotte, des véhicules. Et voilà, donc on a tous les véhicules Charlie donc à jour. Les petits donc véhicules Luke, j'ai déjà dit, donc notamment c'est ce magnifique EC135 Luke. Et on a également donc des reskins propres au serveur, comme cette A45 faite par moi-même pour l'état-major des sapeurs-pompiers. Alors, je vous rassure, elle va pas sortir tous les jours ou tout le temps, elle sortira très rarement, et si elle sort trop souvent, dans tous les cas, on se fera en sorte qu'elle ne sorte moins souvent, parce que voilà, c'est pas un véhicule qui est destiné à sortir H24, parce que je sais que ça rebute certains de voir les sapeurs-pompiers rouler dans des gros véhicules. Mais voilà. Au niveau des casernes, on a fait le choix de ne pas utiliser le CSP de Charlie et d'utiliser les casernes qui sont de base présentes sur la map. Parce que c'est pour assurer la fluidité et la stabilité du serveur. Le CSP de Charlie est magnifique, vraiment, il n'y a pas à dire, il est super beau. Cependant, il fait lag, il crée des gros soucis de FPS, du moins sur notre map, et pour nous on a précisé de ne pas ajouter, et puis en plus ça conservait le charme de la carte de garder donc les véhicules du serveur, enfin les casernes du serveur. Au niveau de la map, je l'ai pas dit, mais on est sur Australia. Pour ceux qui n'avaient pas compris, Australia c'est donc une map qui est gigantesque, comme vous pouvez le constater. La map est gigantesque, mais on l'a coupée, comme vous pouvez le constater, donc on a décidé de la réduire donc au niveau de la ligne rouge.
Donc il y a un mur qui la représente, donc on n'utilise que un tiers d'Australie. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est à peu près tout au niveau des sapeurs-pompiers, donc c'est les sapeurs-pompiers qui seront amenés à vous intervenir pour vous aider au quotidien, tous les jours, au fur et à mesure de votre carte, de votre vie, pardon, de citoyen. On travaille également avec des modélisateurs 3D pour avoir donc un maximum de véhicules exclusifs au serveur, en plus donc, des textures, notamment du mât, etc. On a également trois modélisateurs 3D donc, dans notre équipe. Comme je l'ai dit, on a un gros staff, on est 20 personnes, on part pas sur un petit projet, c'est pas un serveur qui va fermer dans un mois comme 99% des serveurs qui se lancent actuellement. On est sur un projet sérieux, solide, avec une vraie équipe, une vraie communication. Actuellement, je suis en contact avec des entreprises pour passer partenaire avec eux. Voilà, c'est pas un projet qui va faire une main où vous allez avoir des tocards qui vont gérer les services. Non, le but c'est d'être professionnel, d'être jouable et que tout le monde y trouve son compte. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite pour la présentation des civils rebelles. Voilà, donc je vous retrouve YouTube pour la partie concernant les civils. Donc on est actuellement au centre-ville de Sydney. Alors déjà quelque chose que je tiens à dire pardon, sur les civils, c'est que comme vous pouvez constater, donc la carte est très fluide. On n'a pas de soucis de FPS, on n'a pas de soucis de lag. Là je suis en plein centre-ville. J'ai une 1060 et je suis en train d'enregistrer parce que bah, si vous voyez cette vidéo, c'est que je suis forcément en train d'enregistrer. Je suis en ultra. Et j'ai aucun souci de lag, tout marche très bien. Alors j'ai pas de compteur de FPS, je ne saurais pas vous dire précisément. Mais tout marche très bien, on n'a pas de souci de fluidité parce qu'on a fait des choix très nombreux pour avoir tout simplement donc, de nombreux des FPS qui sont constants et qui sont stables. Vous allez retrouver énormément de concessionnaires chez nous, comme par exemple celui-là qui est donc le concessionnaire Citroën. On est actuellement donc, en plein centre-ville de Sydney, centre Sydney qui est donc une zone safe. Vous pouvez retrouver donc de nombreux concessionnaires. Le QG des bus, parce que le QG des bus, c'est donc comment? On a un script exclusif au serveur, on a de nombreux scripts exclusifs au serveur, mais notamment celui-là, qui est donc le script des bus. Quand vous allez à l'agence d'intérim qui se situe ici, vous pouvez récupérer donc la licence pour être chauffeur de bus. Alors on n'a pas encore changé l'icône, on va la changer, vous inquiétez pas. Voilà. Donc l'agent d'intérim, vous récupérez votre licence de bus et même s'il y a personne qui est donc en train d'attendre un bus, vous pouvez quand même travailler parce que vous allez donc dans les différents. Comment ça s'appelle? Les différents arrêts de bus comme celui qui est là-bas. Et là, vous avez un petit panneau qui vous propose donc d'appeler un bus ou si vous êtes chauffeur de bus, d'avoir de l'argent. Ça fait un peu comme les missions de livraison. Donc vous arrivez avec votre bus, vous vous garez, il faut que votre bus soit à côté du panneau. Et là, vous faites déposer les passagers, même s'il n'y a personne à bord de votre véhicule, ça va vous donner de l'argent. Donc vous allez acheter donc cette licence à l'agence d'intérim et là, vous pouvez faire ce script. Ce sera la même chose pour les dépanneurs. Vous allez acheter votre licence et après, vous allez prendre votre service au QG des dépanneurs. Vous aurez accès uniquement aux véhicules de dépannage. Si vous voulez avoir une meilleure formation et des véhicules donc de travaux publics, etc., mais je ferai une vidéo spéciale sur le sujet. Il vous faut donc passer une formation avec des formateurs agréés par la DIRE. Donc voilà. Tout ça, c'est juste une avant-goût. C'est juste un avant-goût de ce qui va se passer sur le serveur. J'ai déjà dit, donc la carte, c'est Australia. Australia, c'est une carte qui est gigantesque. Mais nous, pour simplifier les choses, on l'a rétréci. Donc il n'y a plus qu'un tiers, que la partie, entre guillemets, où il y a le plus d'habitations qui est utilisée. De manière à ce que tout le gameplay ne soit pas concentré sur l'énorme map qu'est Australia. Donc voilà. Que dire de plus? Que dire de plus au niveau civil? On a également une économie réaliste. Donc les prix des véhicules sont réalistes. Une Renault, par exemple, vous n'allez pas la trouver à 100 000 euros. Vous allez la trouver à 20 000 euros, comme ça va être le cas IRL. Et de nombreuses autres choses. Attendez, que je regarde rapidement en Google Doc, parce que j'ai évidemment tout préparé, tout ça. Tac. Donc voilà. Si vous voulez, alors évidemment, si vous voulez rejoindre les services publics, c'est en waitlist. Donc vous allez sur le forum et vous rejoignez via waitlist. Je vous retrouve tout de suite pour vous présenter donc la partie Rebelle Mafieux, qui est donc une partie très importante. À tout de suite. YouTube, je vous reprends. Donc voilà, donc ça, on est actuellement donc dans le shop gangster. Le shop gangster, qu'est-ce que c'est? Vous allez IG, vous allez à un endroit qui est caché sur la carte. C'est pour ça que je vous montre pas les shops parce que je vous montre juste le vestiaire histoire que vous n'ayez pas, que vous ne trichiez pas entre guillemets, que vous ne puissiez pas voir l'endroit où se trouve le shop gangster. Vous allez là-bas, vous allez acheter une licence qui sera payante, qui coûte assez cher. Je vous laisserai aller voir ça. Et vous allez pouvoir de là-bas acheter donc une licence gangster. Cette licence gangster, elle vous donne accès à des armes de niveau moyen, à des tenues de niveau moyen. Par exemple, on a des petites tenues. Un sac à dos, bon, ça c'est logique. Et on a par exemple des gilets pare-balles qui sont de. Voilà, c'est pas des gros gilets pare-balles, c'est des gilets pare-balles de niveau 1, de niveau 2, des armes qui sont 9 mm, 5,56, bref, des armes qui sont pas folles. Si jamais vous voulez des meilleures armes pour et que vous avez par exemple une grosse famille rebelle, il va falloir aller donc choisir. Déjà, vous allez devoir avoir la licence de gangster, vous allez l'acheter. Et après, vous allez faire une demande de waitlist sur le forum. Sur le forum, vous lisez le règlement, vous remplissez les conditions de candidature, vous faites une candidature pour votre famille. Et vous dites voilà, nous on est telle famille, on joue tel gameplay et on préfère jouer le côté rebelle ou le côté mafieux. Quelles sont les différences entre les deux? C'est donc quelque chose qui est donc exclusif au serveur comme j'ai déjà dit. Alors je vous montre par exemple rapidement donc les shops d'armes, hein, donc les différentes armes que vous avez comment donc au niveau donc des shops
gangster. Donc voilà, donc si vous êtes donc si vous voulez jouer donc en tant que mafieux ou en tant que rebelle, en tant que mafieux il y a une différence, donc vous vous spécialisez entre guillemets, un peu comme là, lorsque vous vous spécialisez donc, en gendarmerie. Vous avez accès donc en tant que mafieux, donc le but des mafieux, voilà donc le but des mafieux c'est donc de mettre en place une organisation criminelle qui permet de s'enrichir et de contrôler des ressources, donc ça vous permet d'avoir des entreprises. Nous on a déjà deux entreprises qui sont disponibles sur le serveur, donc la Tabaco et Jérôme, enfin une entreprise donc de vente d'érable. Donc dès que vous allez arriver en cellule, vous allez pouvoir aller travailler dans ces entreprises pour gagner de l'argent. Donc quand vous êtes mafieux, vous pouvez avoir donc accès à des armes donc, de gros calibre, hein, du 762, du 556, des cagoules, des gilets pare-balles de haute qualité, des casques, etc. Un vrai équipement paramilitaire et en même temps avoir votre entreprise et gérer une ressource légale. Et vous pouvez faire donc des alliances économiques, mais par contre, vu que vous êtes mafieux, vous ne pouvez pas avoir de base et vous ne pouvez pas contrôler des zones ou des villes. Si vous voulez faire ça, ou par exemple, et vous avez accès par exemple à des bateaux et des avions qui sont exclusifs à votre faction, qui vous permettent de farm votre ressource exclusive. Parce que les mafieux et les rebelles ont chacun une ressource qui leur est exclusive. Donc lorsque vous faites la waitlist mafieux rebelle, on vous donne la licence. Donc pour les mafieux, c'est la cocaïne, et pour les ou l'héroïne, et pour les rebelles, c'est la cocaïne. Vous avez donc accès à ces licences-là qui rapportent beaucoup, évidemment, parce que il faut donc une fois que vous êtes waitlisté, bah, vous avez besoin d'argent. Et donc une fois que vous avez ces waitlists-là, vous pouvez accéder donc à ces ressources-là. Et donc pour farmer ces ressources, vous avez des véhicules spéciaux. Les rebelles ont par exemple des camions spéciaux avec le je crois que le camion civil avec le maximum de place est à 600 de place, le camion rebelle avec le maximum de place est à 1000 places. Donc voilà, c'est des petits exemples comme ça. Une fois que vous vous spécialisez, si vous êtes mafieux, vous allez avoir des bateaux ou des avions avec énormément de place, parce qu'il y a donc il y a du farm qui se fait par avion ou par hélicoptère, enfin, par avion ou par bateau. On a un vrai système pensé, réfléchi, logique, qui n'est pas non plus compliqué et chiant pour vous à jouer. On sait qu'en tant que rebelle, vous avez envie de vous faire plaisir, de vous amuser. On n'est pas là pour vous faire chier, on est là pour que votre gameplay soit juste intéressant et encadré. Encadré à quel sens? Sur la plupart des serveurs, lorsque vous faites votre famille rebelle, vous êtes un peu lâché, donc on vous fait vos shops et après c'est à vous de vous démerder. Nous, on va vous accompagner au quotidien. Donc au quotidien, ça veut dire que régulièrement, il y aura du staff qui viendra jouer avec vous. Alors on n'est pas là pour vous faire chier, on n'est pas là pour vous surveiller un peu comme un, je sais pas, un prof surveillerait un examen. Vous voyez, c'est pas ça le but. Le but, c'est vraiment d'être avec vous, de vous aider, de voir comment vous jouez, de vous guider. Si jamais on constate que votre RP il n'est pas forcément adapté par rapport au serveur, on va vous guider, on va vous dire voilà, là ce serait mieux que tu fasses ça, ce serait mieux que tu fasses ça, ce serait mieux que tu fasses ci. Et on va s'intégrer avec vous, on va rigoler avec vous, on va faire vos actions RP avec vous et on va pas se dire voilà, on aura un contexte RP pour faire ça, vous en doutez bien. Et voilà, le but c'est d'accompagner les joueurs au quotidien dans leur démarche et dans leur gameplay. Donc comme je disais, donc ça c'était pour les mafieux, donc je rappelle, donc pour les mafieux, vous pouvez avoir des entreprises, gérer une ressource illégale et légale, et faire des alliances économiques avec d'autres mafieux. Vous pouvez pas par contre avoir des bases ou contrôler des zones et des villes. A l'inverse, en tant que rebelle, vous pouvez donc le but des rebelles c'est plus donc de renverser le gouvernement et donc de mener des actions un peu anti-gouvernementales. Donc vous pouvez donc par exemple avoir des bases en tant que rebelle, donc avec un catalogue, donc une vraie base avec des tours un peu paramilitaires, etc. Avoir un équipement qui est plus paramilitaire, contrôler des zones et des villes avec donc revendications. Par contre, vous ne pouvez pas avoir des entreprises, gérer une ressource légale ou faire une alliance par exemple avec des mafieux. Donc voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Comme je vous l'ai dit, les possibilités sont infinies. Vous avez une boîte à idées qui vous propose, vous pouvez créer vos entreprises. Alors je précise d'ores et déjà, je vois qu'il y en a certains qui vont se ramener et qui vont la marquer sur le forum. On ne prendra aucune entreprise de sécurité pour l'instant et aucune entreprise de mercenariat ou aucune entreprise de type armée de terre, etc. C'est pas parce qu'il y a les rebelles et les mafieux qu'on doit avoir l'armée de terre sur le serveur. On ne veut pas d'armée de terre sur le serveur, on ne veut pas de double force. Pareil, il n'y aura pas d'agence de sécurité, ce sera des choses qui seront mises en place d'une autre manière ou des agences de mercenariat d'une quelconque manière. On vous le dit tout de suite maintenant. Donc voilà, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, j'invite à liker, à vous abonner, à rejoindre le Discord pour avoir les informations qui sont donc en description, à rejoindre le site du serveur, à vous inscrire sur le forum, à venir nous poser des questions sur le TeamSpeak. Les équipes sont prêtes à vous accueillir, à vous renseigner sur le serveur, à vous faire découvrir le serveur. Et donc ouverture du serveur vendredi à 18h, pré-téléchargement des modes sur le workshop dès demain jeudi. On vous tient informé via Discord ou via le forum. Donc si la vidéo a plu, comme j'ai dit, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et moi je suis très heureux de faire mon coming back après donc un mois d'absence sur YouTube. Et je vous retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Omega. Je vous dis à plus tard, c'était Jackie Bone.